très important. Donc là, ici, au premier étage, nous avons ici une mezzanine qui pourra accueillir aussi du monde. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de créer un premier étage où il couvre la salle principale, on s'est dit qu'on allait créer une mezzanine qui représente environ 40% du site. Et on va laisser tout le reste ouvert jusqu'à la fin de l'édifice pour que la lumière naturelle puisse pénétrer à l'intérieur. Ça, c'est bon pour, je dis, pour nous. Oui, c'est bon pour le moral de chacun et c'est bon aussi pour l'écologie, pour la consommation, etc. La lumière, voilà. Tout à fait. NTV 02 se trouve aujourd'hui devant un bâtiment exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est passé devant de nombreuses fois et ça nous a attiré l'attention. Et en fait, il s'agit de quoi de ce bâtiment? Il s'agit de la mosquée de Soissons. Alors très important, c'est impressionnant au départ quand on passe, on se dit mince, c'est quoi, comment c'est. Et j'ai eu la chance avec l'amabilité de Aouladzian Mohamed qui nous a permis justement de faire ce reportage, de pouvoir faire comprendre aux gens de NTV, à tous les gens qui sont intéressés pour la construction de cette mosquée. Alors Mohamed, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du début de la construction de cette mosquée? Bonjour, donc Mohamed Aouladzian, je suis un des responsables de la mosquée de Soissons qui existe déjà avenue de Pali. Donc est-ce que vous voulez que je fasse un petit historique éventuellement? Vous disiez un petit peu le pourquoi ce projet, ce serait intéressant. En fait, depuis quelques années, voire maintenant plusieurs décennies, un peu plus de 10-15 ans, nous sommes confrontés à avenue de Pali à une mosquée qui est devenue trop petite, qui ne peut plus accéder, du moins accueillir la plupart des fidèles de la communauté des Soissonnais et de ses alentours. Donc on a commencé à réfléchir éventuellement sur un projet, il y a donc plusieurs années de ça. Donc nous sommes rentrés en pourparlers avec les services de l'État, dont la mairie en particulier, il y a quelques années, avec les différents élus à chaque période, que ce soit de gauche ou de droite, ouais. Ça n'a aucune importance. Et donc on est arrivé à un commun accord il y a quelques années, ça fait maintenant, sans dire de bêtises, on a échangé ce terrain avec la municipalité qui est dirigée actuellement par M. Crémon, sans dire de bêtises, à 2 ans et demi à peu près. Mm-hmm. Donc nous avons procédé à un échange de terrain, car on dit peu d'un terrain qui était avenue de Coucy à l'époque. Donc on s'est mis d'accord sur ce terrain qui nous paraissait quand même stratégique. Pourquoi stratégique? Parce qu'il a une bonne localisation pour les Soissonnais. Que ce soit, on a les quartiers à proximité, on a donc le Chevreux, on a Belleux, on a Presles, on a les gens de centre-ville. Sachant que nous, le but, c'était quand même de réunir un peu tout ce monde dans un lieu commun en essayant de limiter les déplacements de chacun. Pour que les personnes qui sont, je dirais, de Belleux ou de Presles ont pratiquement la même distance, à peu près. Voilà. Parce que l'objectif, puisque nous étions confrontés à un nombre de places, que ce soit aussi au niveau des voitures ou l'avenue de Pali, c'est se dire ici de partir sur un projet qui respecte aussi l'environnement. Donc on a la chance d'avoir cette avenue Rocher-Condé, justement, qui est une voie douce et qui permet de connecter 3 quartiers très importants de la ville, dont Presles, Chevreux et Belleux. Donc on s'est dit, bon, c'est pourquoi pas éventuellement. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque nous avons inauguré ici ce site et posé la première pierre en février 2019. Donc en présence de monsieur le préfet, monsieur le maire et différents élus départementaux et locaux. Voilà. Donc voilà, nous sommes ici donc sur ce projet que nous avons débuté donc maintenant il y a 2 ans. Donc c'est vrai, comme disait monsieur Maillard, le projet il serait quand même un bâtiment imposant. Très imposant, mais qui sera quand même très structurant pour la ville de Soissons. Déjà, si on devait en parler au niveau de l'emploi, parce que ça crée quand même de l'emploi, ce qui n'est pas rien. On parlera éventuellement des chiffres après pour vous donner une idée un petit peu du coût du projet, parce que je pense que c'est aussi la question. Donc voilà, donc c'est un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette visite et que vous montrez un petit peu aux Soissonnais à quoi sera dédié ce futur terrain. Sachant que pour rebondir... Alors. C'est un grand plaisir pour moi, c'est vrai, de vous avoir rencontré. Vous avez eu cette amabilité de me recevoir. J'ai pu faire la visite avec vous déjà une première fois. Et il faut le dire sincèrement, j'ai été stupéfait. Stupéfait parce qu'il y a une construction qui répond vraiment à une attente.
Et je crois que là, c'est important justement de pouvoir le présenter parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact qu'aura cette mosquée. Tout à fait. On parle de mosquée, mais en fait, ce sera plutôt un centre culturel. Parce qu'en fait, dans ce projet, qui n'est pas dédié uniquement au culte, et il y aura deux bâtiments qui seront connectés l'un à l'autre, mais nous aurons la moitié du site qui sera consacrée au culturel. Et donc, quand on voit dans le culturel, ça ne se limite pas vraiment à la spiritualité. Ça c'est autre chose, c'est le bâtiment culturel, comme on peut trouver dans une église, une synagogue, etc. Donc, ce volet culturel, ce qu'on va retrouver généralement, ça va être des salles où les gens pourront se réunir, bibliothèque, pourront échanger. Et mon souhait, et le souhait de, je dirais, un petit peu de notre association, c'est de l'ouvrir à chacun. Parce que bon, il faut quand même parler de l'actualité, qui est très importante en ce moment par rapport aux musulmans et l'islam, la place des musulmans en France. Je pense qu'il va y avoir cet échange. Et ce serait bien de créer des connexions avec d'autres associations, avec les services même de la ville, faire monter des projets pour amener quand même les gens, les Soissonnais et ses alentours, pour venir visiter, pour venir s'instruire s'ils veulent, éventuellement, se rendre compte réellement du projet. Et que ça ne limite pas, comme je vous disais, au volet culturel. Il y a une particule culturelle qui est pour moi primordiale, qu'il ne faut pas négliger au jour d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'elle est très importante, puisque tout à chacun ne sera pas réservé qu'aux musulmans, c'est-à-dire n'importe qui de Soissons pourra venir dans ce lieu culturel pour se rendre compte et pouvoir dialoguer. Je pense que c'est ça qui est très important. Oui, et on pourra même éventuellement, et ça c'est un souhait, et je pense qu'il faudra travailler dessus, préparer quand même les échanges interreligieux aussi, des débats, essayer de partager. Parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans de France, c'est une partie de la communauté française. Donc c'est une entité qui a sa place en France, qui n'est pas incompatible avec les lois de la République, loin de là. Donc il faut qu'on puisse, s'enrichir avec nos différences. Nos différences, je pense qu'elles sont même... Elles sont même minimes, et ça j'en suis pratiquement sûr de mon côté. C'est juste qu'il y a ce manque de communication, il y a cette peur de l'inconnu, et chacun, dans sa position, ne fait pas forcément l'effort d'aller vers l'autre. Et pourtant, ce serait, je pense, une clé de réussite pour créer cette solidarité, parce qu'on est tous des humains, on est tous humanistes. Et ça, c'est le plus important. Qu'on adore Jésus, Allah, ou tout ce qu'on peut imaginer, ça, on est quand même des humains. Donc on est là pour vivre ensemble. Il faut qu'on essaye à long terme, de pouvoir vivre ensemble en toute, tranquillité, oui. Tout simplement. Je pense que ça c'est un point très important parce que aujourd'hui c'est vrai, on voit beaucoup de choses, on parle de l'islam. Oui, on dit toujours les musulmans, mais enfin là, je pense que vous avez appuyé sur le point qui est très important, c'est le bien vivre ensemble. Tout à fait. En effet, ce mot résume tout. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les membres de mon association m'ont poussé aussi. C'est pas une volonté qui est personnelle. C'est vraiment une démarche des musulmans de Soissons aujourd'hui du vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas, mettre de côté ce genre de choses. On est là, nos enfants, nos parents, on a tous grandi ensemble, on fait les courses dans les mêmes lieux, les mêmes surfaces, mais on va sur le même marché, on va chez le médecin, etc., de la même façon. Pourquoi on ne partagerait pas ces valeurs justement humaines, tout simplement? Oui, tout à fait, c'est vrai, vous venez de le dire, et je pense que ça, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Alors, on est rentré tout à l'heure, il y a une entrée principale, on va parler maintenant, on va décomposer un tout petit peu le parcours qu'on a fait. Alors, l'entrée principale. Alors, l'entrée principale, donc il y en aura deux en fait, si vous voulez, quand on est arrivé par le portail le plus imposant, parce que c'est le portail pour l'accès aux travaux. Mmh. Mais il y aura un deuxième qui sera à côté, c'est l'accès du parking. Parce que sur le site aujourd'hui, qui présente un peu plus de 5000 m², il y a la moitié qui sera dédiée au parking. Donc on pourra accueillir, plus de 100 véhicules sur le site. Donc pour répondre un petit peu à nos voisins et leur dire, ne vous inquiétez pas. On n'aura pas ce problème de gêne. Justement, si on a, réfléchi sur projet, c'est qu'il a été pensé avec le temps et de façon vraiment réfléchie. Donc aujourd'hui, on va faciliter, l'accès au site. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on espère travailler sur tout le domaine au niveau de l'écologie et, essayer d'inciter les gens de venir via les vélos, via l'avenue Roger Condé à pied. Ça permet, même aux anciens ou nous d'entretenir son corps, puisqu'on fait un peu plus de marche. Mais dans la religion musulmane, il faut savoir aussi que quand vous faites un pas, vous allez vers une mosquée ou un lieu de culte, vous êtes récompensé dans l'au-delà pour les croyants. Voilà. Alors, je pense que c'est très important de le signaler, puisque
Je pense que, à la vue de ce bâtiment, de cette mosquée, beaucoup de personnes devaient penser, oui, naturellement, la circulation, les voitures, tout ça. Mais je peux vous rassurer, c'est que dans ce lieu de prière, il y a un endroit où on va pouvoir mettre les voitures qui fait combien de superficie ? Alors, en fait, avant d'être ici, je dirais, sur le rez-de-chaussée ou le premier niveau, nous avons quand même créé un sous-sol. Un sous-sol qui nous a pris énormément de temps, parce que bon, pour les aspects techniques, ils sont un peu plus délicats, ce qui est normal. Ce sous-sol, qui est d'environ 1500 m², justement, puisque nous sommes descendus via la passerelle éventuelle à long terme qui sera finalisée, pour accéder à un parking, pour augmenter encore la capacité d'accueil des voitures. En plus des 100 places que je vous ai annoncées tout à l'heure, nous avons un parking souterrain, donc au sous-sol, qui pourra accueillir quelques dizaines de voitures. Je pense que c'est très important puisqu'il y aura le sous-sol, le parking en sous-sol, mais il y aura également sur le côté, on pourra mettre des voitures tout aussi. Tout à fait. Et sur le côté, vous avez un parking aérien, comme je vous disais tout à l'heure, qui représente environ la moitié du site, soit environ 2500 m². Voilà. Alors, on va continuer en parlant du voisinage, parce que je pense que ça a peut-être été aussi un point qui était important, c'est comment ça allait se passer avec l'environnement. Alors, parlez-moi-en un tout petit peu, Mohamed. Écoutez, je pense que c'est un petit peu normal que les gens aient une vision parce qu'ils ne savent pas éventuellement ce qui va être fait. Donc forcément, on a quand même une peur, une réticence. Moi, je pense qu'on a quand même fait tomber ces tabous. Puisque lors de la première pierre, moi, j'étais à l'encontre de ces gens qui étaient plus ou moins contre le projet. Je les ai invités à la première pierre. J'ai eu des messages de sympathie. Je communique avec quelques-uns qui passent même devant le site, qui nous encouragent. Donc, il y a vraiment une entente qui se crée. Parce que je pense, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette barrière où les gens avaient peur l'un de l'autre, tout simplement. Nous avons, par exemple, sur le côté, une personne qui a une carrosserie. Je ne vous cache pas qu'il a été d'une grande aide, un grand soutien. Il est toujours venu nous voir. Il vient souvent d'ailleurs pour voir un petit peu comment ça avance. On partage beaucoup de choses ensemble. Donc à partir de là, je pense qu'on est en train d'atténuer vraiment ces préjugés. Et donc c'est en bonne voie. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas de préjugés parce que pour les gens qui habitent tout à côté, hein, c'est vrai qu'il y a deux, trois concessions comme le carrossier. Ensuite, il y a des Dieselec et des gens qui ont accepté en venant vous voir qu'on pouvait justement vivre ensemble. Bien sûr, bien sûr. On a longuement, je dirais, communiqué avec eux, même si au départ, ça a été un peu compliqué, parce que, comme je vous disais, on ne sait pas éventuellement ce qui va être projeté sur le site. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une communication qui reste, je dirais, très loyale, très cordiale. Donc, on peut dire que c'est positif pour le long terme. C'est très bien. Et voilà. Alors, naturellement, on est rentré, on est passé dans le parking, et puis ensuite, on a eu une grande salle. Alors, vous pouvez nous parler ensuite de cette salle? Alors en fait, sur le site où nous sommes actuellement, donc, parce qu'on a commencé, si vous voulez, à monter d'abord le volet cultuel. Donc la salle où on est entré tout à l'heure, c'est une grande salle qui sera réservée au culte. Donc là, ce sera la salle la plus importante de prière. Voilà, donc sachant que cette salle, elle est orientée comme il faut, comme pour les lieux de culte musulmans, vers la Mecque. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc ce sera le lieu d'accueil des fidèles. Voilà donc, et puis là on se trouve là ici sur un endroit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de puits de lumière parce que vous avez souhaité naturellement que la lumière rentre dans cet établissement. Tout à fait, c'est très important. Donc là ici au premier étage, nous avons ici une mezzanine qui pourra accueillir aussi du monde. Mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'au lieu de créer un premier étage où il couvre la salle principale, on s'est dit qu'on allait créer une mezzanine qui représente environ 40% du site et on va laisser tout le reste ouvert jusqu'à la fin de l'édifice pour que la lumière naturelle puisse pénétrer à l'intérieur. Ça c'est bon pour, je dis, pour nous, c'est bon pour le moral de chacun et c'est bon aussi pour l'écologie, pour la consommation, etc. La lumière. Tout à fait. Alors naturellement donc tout ça répond à des critères que vous avez mis en place et la question peut-être, je dirais pas la question qui fâche, mais la question qui est importante aussi pour beaucoup de gens, c'est de dire mais naturellement qui paye cet établissement, cette mosquée? Voilà, je pense que c'est important de le signaler également. Ce n'est pas les Soissonnais.
Alors, ça, c'est vraiment une question primordiale. Il faut vraiment rappeler aux Soissonnais et aux citoyens même français de la France, en aucun cas, les lieux de culte en France sont subventionnés ou quoi que ce soit via l'État. Au jour d'aujourd'hui, notre site, nous, pour 98%, voire presque 100%, c'est surtout financé par les Soissonnais et les gens des alentours. Voilà, donc c'est vraiment eux, et d'ailleurs je les remercie sincèrement, parce que sans eux aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc c'est un sacrifice, certes, mais aujourd'hui, ils donnent vraiment de bon cœur, parce qu'ils veulent que sortir un petit peu de ces lieux exigus, et surtout pour s'ouvrir un petit peu à la population, pour dire, bah, écoutez, voilà, nous on monte des projets, nous avons des associations, des lieux de culte dignes de ce nom, pour vous accueillir, pour échanger, et que pour vous dire qu'on est là en tant que Français musulmans. Oui, je pense que c'est un point important à signaler quand même, puisque c'est vrai que ça représente, quand on voit cette montagne à l'intérieur de ferraillage de béton, on pourra voir avec Hamid, qui va nous expliquer naturellement le travail qui a été réalisé, puisque hein, le béton, c'est votre connaissance, vous êtes le chef de chantier, je crois. Approchez, venez à côté. Je me présente, Terbi Hamid. J'étais appelé par mes collègues pour les rejoindre, assurer le pilotage de ce projet. C'est ce que j'ai fait, j'ai accepté avec plaisir. Donc on a étudié cette affaire depuis le début avec des ingénieurs, avec des architectes, des bureaux d'études. Et voilà le résultat, on commence à le voir un peu de... Voilà, il est là, voilà. Où est-ce qu'on a vraiment passé beaucoup plus de temps, parce que c'est beaucoup de technique, c'est dans le sous-sol. Dans le sous-sol, on a passé un temps long, et là ça va beaucoup mieux. Là, on commence à voir le gros œuvre. Il y a presque, disons, deux tiers, ils sont terminés. Les deux tiers, ils sont terminés. Alors moi, il y a une chose qui m'a surprise un tout petit peu. Quand je suis venu la première fois pour la visiter, donnez-moi un peu le nombre de tonnes de béton qui sont là. On ne peut pas le calculer. Pour l'instant, aujourd'hui, oui, on ne peut pas. C'est-à-dire, ce n'est pas aux tonnes encore. En ce moment, on est en train d'étudier la surface. 100 mètres cubes, oui. Mais en tonnage, c'est difficile. Ouais. On peut le faire, mais bon, il faut... Oui, il faut travailler. Mais non, c'est plusieurs centaines. C'est que du béton armé, il n'y a pas de parpaing. C'est vrai que je pense que ça ne bougera pas, il n'y a pas à dire. Bah, c'est étudié pour que ça ne bouge pas. On a fait des sondages, on a fait des fondations. Non, tout est calculé pour prendre cette charge-là. Oui. Donc c'est une grosse responsabilité pour vous. C'est mon métier depuis les 36, presque 37 ans que je suis dans le bâtiment et travaux publics. Donc voilà, donc on va encore une fois rassurer toutes les personnes qui regarderont ce film que cette qualité de construction, il faut la voir. Moi, je vous souhaite, si un jour vous avez la possibilité, puisqu'il y aura des portes ouvertes. Alors justement, là-dessus, si vous voulez, moi j'organise une porte ouverte la semaine prochaine, donc je ne sais pas si ce sera prêt éventuellement du montage, samedi et dimanche prochain, entre 10h et 18h, nous organisons une porte ouverte pour que toute personne, tout citoyen soissonnais éventuellement, puisse venir voir un petit peu l'avancement de ces travaux. Alors c'est pareil, moi je vous incite à venir voir naturellement cette construction qui est majestueuse, qui est énorme. C'est un édifice qui est magnifique, une très belle mosquée, et je pense qu'elle va ravir beaucoup de Soissonnais, des musulmans justement, qui auront un lieu dédié pour la prière, et puis un centre culturel également. Parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, l'autre jour vous m'avez dit que vous vouliez faire quelque chose pour naturellement aider les jeunes. Oui, tout à fait. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans le volet culturel, j'aimerais éventuellement que ce lieu puisse être, je dirais, quelque part un moyen de se rencontrer, de discuter avec les jeunes pour diverses problématiques, et voire même pour les accompagner dans des domaines, on peut éventuellement travailler sur du sportif, du culturel, mais aussi, pourquoi pas, l'emploi, sortir un petit peu de cette galère des quartiers, comme on dit, éventuellement, pour essayer un petit peu de s'insérer dans la société, les épauler. Ça peut être via...
Bon, bah, j'ai pas trop d'exemples en tête. Des réseaux, les aider à établir un CV, des lettres de motivation, prendre des contacts des entreprises, comment éventuellement préparer un entretien. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, comme je vous disais, dans ce volet culturel, j'aimerais vraiment que ce soit un lieu d'échange. Mais vraiment un lieu où chacun puisse trouver sa place, quelle que soit, je dirais, son origine, quelle que soit, je dirais, sa religion. Mais qu'on puisse au moins travailler ensemble pour qu'on arrive justement, comme vous disiez tout à l'heure, à se vivre ensemble. C'est super important. Mais c'est vrai que vous avez raison de le dire. Alors encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était formidable. Vous avez répondu à mes questions. Je pense que les nombreux Soissonnais qui verront ce film verront naturellement les différentes pièces, puisqu'on a filmé dans toutes les pièces. On a filmé au-dessus également pour montrer un peu la superficie. Mais je pense qu'elle avait lieu d'être, parce que je me souviens d'une période où moi, je n'étais pas ici, j'étais à Craigne. Et une chose qui m'avait marqué, c'est que les gens étaient obligés d'aller prier dans les caves. Et ça, je trouve que c'est indigne. Je pense que c'est quelque chose, c'est un gros pas en avant pour permettre naturellement à tous ces gens de pouvoir avoir leur foi, de vivre leur foi dans des bonnes conditions. Tout à fait, je vous rejoins totalement. Je dirais, on est un pays de droit où chacun peut librement pratiquer son culte. Donc, faisons en sorte qu'il puisse le pratiquer dignement. Quelque chose à ajouter, Mohamed ? Écoutez, je pense qu'on a résumé tout. Comme vous dites, moi, je dis aux gens, écoutez, n'ayez pas peur de ce projet. Au contraire, c'est un atout pour la ville. C'est vraiment, il ne faut pas hésiter à vous renseigner, à venir nous voir. On est là pour répondre éventuellement aux questions et qu'on est là pour vivre ensemble. Et à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas correctement. Hamid, c'est une grande fierté pour vous d'avoir construit, enfin d'avoir participé à la construction de cette mosquée. Oui, ça fait plaisir énormément. C'est pour la communauté aussi. Et je suis de Soissons en même temps. Donc ça fait plaisir, oui. Ça fait plaisir. Alors un gros bravo à vous. Rajouter quelque chose, sachez que nous en tant que bénévoles, donc on voulait quand même vous remercier aujourd'hui. Pour ce reportage, d'être venu nous voir, pour mettre en valeur un petit peu ce bâtiment, au même titre que d'autres bâtiments sur Soissons. Ça montre déjà justement cet aspect du vivre ensemble. Oui, tout à fait. J'y tenais d'ailleurs, parce que je passais régulièrement souvent, et je voyais, et il m'est arrivé en allant courir un tout petit peu, de m'arrêter et de regarder à travers, il y avait des petites rues, de regarder, je dis tiens, ça monte, et puis petit à petit, je dis il faut faire quelque chose. Il faut montrer aux gens quand même que il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas à avoir peur. Cette mosquée, elle est là pour justement apprendre tout le monde à vivre ensemble. Et je crois que c'est le but, justement. Juste ajouter un mot. Il faut savoir que depuis le début du terrassement, on n'a jamais cessé de travailler ici. On n'a jamais arrêté. Depuis le début du terrassement, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, les travaux, ils ont toujours continué. Une équipe qui est là 7 jours sur 7, puisqu'elles ont quand même leur cantonnement, qui est un cantonnement qui est tout confort, parce que c'est obligatoire, de toute façon ça répond à toutes les normes sécuritaires que vous avez pu constater par vous-même. Et on se relaie avec M. Terbi, qui est un peu plus présent en ce moment que moi, c'est vrai. Mais voilà, on se relaie, on est accessible, il y a nos coordonnées pour nous joindre, etc. On est là quand même pour veiller à ce que ce projet se passe de façon, correctement. Mais vous, c'est la partie financière, c'est votre travail ? Ah oui, alors oui, tout à fait. Moi, je gère un petit peu ce projet au niveau relations administratives et financières. Tout à fait. Il y a beaucoup de travail. Hein. Voilà. Alors, moi, je vous remercie infiniment. Alors, chers amis Soissonnais, voilà donc pour ce reportage que je tenais absolument à vous montrer. Et un jour, peut-être que vous aurez l'occasion de venir. Et je vous souhaite de venir, de passer ici et de vous rendre compte qu'il n'y a pas de barrière. On est tous là pour vivre. C'est avec plaisir. Accueillir. Nous serons très heureux de les accueillir.
Mohamed, votre gentillesse, vous avez été... J'ai eu tous les renseignements que j'avais besoin. Et je pense que ça va nous rassurer tout le monde, parce que ce n'était pas une peur, en fait. Hein. C'était surtout, pour moi, il y avait au départ les voitures. J'avais entendu parler, oui, où est-ce qu'on va se garer et tout ça. Mais non, les voitures, le problème, il est réglé. Et puis, naturellement, ce que beaucoup de gens se posent aussi, c'est le financement. N'ayez pas peur, cher ami Soissonnais. Ce n'est pas vous qui payez, c'est les gens qui viennent, les croyants. Qui, un peu comme dans la région catholique. Hein, dans la région catholique, il y a le denier du culte qui sert justement à entretenir. Et bien là, c'est pareil. Alors, on avance par rapport à nos moyens. C'est pour ça qu'on n'avance pas vite. Ouais. On attend... Puis là, la pandémie vous a quand même aussi perturbé beaucoup. Alors, j'aimerais dire un mot, c'est vrai que c'est important. Les lieux de culte sont fermés, malheureusement. Donc, c'est quand même pour nous un manque de budget qui est comme conséquent, puisque ça fait le deuxième et ça se chiffre très vite. Pour vous donner une idée, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de chiffres, mais sachez que deux années comme ça aurait pu pratiquement finaliser un lot. Voilà. Pour vous donner une idée, pour un bâtiment de 1500 m², c'est un lot pratiquement qu'on a perdu malheureusement. Oui, voilà, c'est la pandémie qui a fait perdre ça. Comme beaucoup de monde en a subi les conséquences, vous également, vous en avez subi les conséquences. Voilà, donc ce reportage est terminé. J'espère qu'il vous plaira et je vous invite donc de tout cœur à venir, quand ça sera ouvert, visiter cette mosquée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Thank you.